Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouveau Le Roi Mog ne nous arnaquera pas sur Final Fantasy Brave Exvius et nous avons enfin la tant attendue collaboration avec Dragon Quest qui tombe à pic puisqu'on a eu l'annonce de Dragon Quest en sortie européenne et US pour fin 2018, donc c'est très très bien et c'est vraiment chouette. On va commencer par parler du Roi Mog et du Carnaval des Monstres, un Roi Mog avec clairement énormément de choses, des choses très intéressantes. Comme d'habitude, un petit coup d'œil aux unités bonus, donc Dragon Lord à 100% bien entendu, le 5 étoiles natif, les 3, car oui, nous sommes sur 3 4 étoiles natifs, 75% et 50% pour les 3 étoiles et 20% pour Slim, qui est un personnage qui était déjà disponible avant et que vous allez en plus pouvoir récupérer chez le Roi Mog si vraiment vous manquez de bonus. Mais on va en parler, c'est pas très intéressant Slim pour le coup. J'ai fait ça avec cette petite team, j'ai pas énormément de bonus, on est vraiment sur des bonus moindres, donc bah, comme vous voyez, un golem Robin Hood et un Slim. Je suis parti là-dessus, concrètement, bah, ça change pas énormément, les proportions sont les mêmes. Et on commence comme toujours par regarder un petit peu la comparaison entre le EX et le légendaire. Le légendaire qui est, pas, comme d'habitude, pas si facile à farm avec une team full bonus, hein. À moins d'avoir les 2-5 étoiles natifs au max et encore, voire peut-être 2-4 étoiles natifs au max et encore. Avec la team que j'ai là, j'ai eu ces résultats-ci, que vous voyez affichés là. Il n'y a pas une différence sensible entre le EX et le Légende, je trouve, sans bonus. Là, je vous affiche, par contre, le screen avec un mob bonus et deux mobs bonus. Et là, on voit que ça s'envole, hein. On dépasse les 3-4K de récompenses, donc bien entendu avec les mobs bonus, les légendes sont très rentables, mais encore faut-il les avoir et pouvoir les farmer, comme toujours, pour farmer tranquille, farmer le EX. On commence par regarder un petit peu dans un ordre différent de ce qu'on fait d'habitude, tout simplement parce que je pense que c'est plus confortable, et cette fois-ci on s'intéresse d'abord aux équipements exclusifs, et qu'on se le dise, il y a du très lourd. C'est pas donné, c'est 120 000, ça va coûter 120 000 pour avoir l'épée d'Erdrick qui est attaque plus 125 en grande épée. C'est juste la plus grosse récompense qu'on a jamais eu chez un Roi Mog en termes de grande épée, clairement en termes d'armes. Attaque plus 125, c'est énorme. 120 000, c'est énorme. Si vous n'avez pas d'Excalibur, si vous n'avez pas de justicière, si vous n'avez pas de grande épée neutre, et même si vous en avez, je pense que c'est vraiment un stuff à aller chercher. Attaque plus 125 sur un Roi Mog, sur une grande épée, c'est cadeau. Et c'est pas tout, on a une épée classique, Cautery Sword, attaque plus 85, ce qui n'est pas dégueulasse, avec un tueur de démons. Je rappelle, plus 50%, les tueurs se stackent s'ils ne sont pas de la même source. Très très bon à prendre aussi, selon moi, en priorité. Idem pour le trident, qui est une lance, attaque plus 82 avec un élément glace et un tue-à-quoi. Beaucoup plus situationnel, que ce soit avec l'élément et le tue-à-quoi. Mais tout de même, pour 15 000, une lance qui peut disposer d'un plus 50% de dégâts et d'un élément, je pense que c'est à prendre. Big Boss Shield, défense plus 45 et auto shell en SWAT, c'est pas si mal non plus. Il y a bien sûr des boucliers qui font bien mieux, surtout si vous farmez les TM depuis longtemps. Si vous n'avez pas de grands boucliers qui font mieux, prenez-le clairement, sinon bah, vous allez pouvoir le zapper bien entendu. Le staff anti-magic, il a un effet de silence à 30%, c'est pas énorme, et un esprit plus 62. De nouveau, en SWAT, pour un Roi Mog à 6000, si vous n'avez pas de stuff plus élevé, il faut le prendre. Sinon, bien sûr, vous allez le zapper si vous avez mieux, parce que c'est pas franchement ouf ouf. Pareil pour la Crone's Claw, malgré son 2-hit combo. On rappelle, c'est similaire à la lance double. Ça va simplement doubler les attaques normales et c'est tout. Ça peut faire des tricks avec certains personnages, ça peut être rigolo. On avait fait une vidéo avec King notamment, etc. Ça peut faire des tours assez longs et pénibles pour l'adversaire en arène, mais sinon, quasiment aucun intérêt. Des points attaque plus 52, on a bien sûr bien mieux, même IG à récupérer. La Axe, Iron Axe, attaque plus 58, à éviter, à moins que vous soyez complètement débutant et que vous n'ayez rien de mieux. On continue avec les stuff exclusifs pour Dragon Lords. Un debuff, attaque magie, défense, esprit, 35% pour 3 tours pour tous les ennemis. En SWAT, si vous avez Dragon Lord, c'est quand même pas si mal. 35%, c'est pas un multiplicateur énorme, ça aurait été un 50%, un 60%, alors on s'emballe. Mais bon, si vous avez Dragon Lord, si j'avais Dragon Lord et que je pensais jouer Dragon Lord, ce qui n'est pas le cas, eh ben je le prendrais quand même. Idem pour Orochi et sa résistance 30%, pourquoi pas si vous avez Orochi, mais de nouveau, je pense pas que ce soit très très prioritaire. Metal Slash, un dégât fixe, 2000 pour un ennemi pour 1200,
c'est un dégât fixe, c'est pas cher. Si vous n'avez pas des fixed dice, si vous n'avez pas des gros stuff aussi, pourquoi pas. Hostile Dance, il 400 HP avec un multi qui fait un modificateur de 3 fois pour tous les alliés, c'est trop peu, c'est trop bas, on zappe complètement. Et Slim, pour 100, la fameuse unité, si vous avez décidé de ne pas pull sur cette bannière ou que vous n'avez pas beaucoup de personnages bonus, qu'il vous manque un slot, vous pouvez récupérer pour 100 eh ben, le petit Slim qui va vous donner 20% de bonus dans votre équipe. L'accessoire à aller chercher impérativement pour 12 000, le gros accessoire de 3 mugs, maintenant on en a un par 3 mugs, le ruban. L'ATM de Kefka, on n'en a jamais trop. Tant qu'on n'en a pas 6, on n'en a pas trop, je pense. Magie plus 5, esprit plus 5, résistance à toutes les altérations d'état, bien entendu. On connaît. Allez le chercher si vous n'en avez pas. Allez le chercher si vous n'en avez pas au moins 3 ou 4. Moi, je reste convaincu que c'est un très, très bon stuff. Les mugs, on en reparlera dans le poule ou pas poule. C'est une bannière ATM. Il y a des très, très bonnes TM sur cette bannière. Du coup, bah les mugs, si vous ne voulez pas farmer les TM autrement, pourquoi pas essayer d'aller les chercher si vous souhaitez vraiment récupérer les TM de certains persos qui sont vraiment pas mal. On a quelques consommables, petits consommables, pas trop chers, hein, 5, 10, 30, 50, 400 et 200. Je pense pas qu'il y ait vraiment la place. Éventuellement, l'élixir du sage qui restaure 8 ans MP pour un allié, pour 50, un petit stock, pourquoi pas. Ça fait pas aussi bien que les chocolats, mais ça a le mérite d'être là. Le reste, franchement, c'est un petit peu low. De nouveau, si vous venez de commencer, ça peut être intéressant pour pallier si vous manquez un peu d'éther plus ou de méga potions, de choses comme ça. Mais globalement, pour les joueurs même qui ont quelques mois de jeu, c'est déjà dépassé. C'est pas très intéressant. On continue avec les classiques et les réguliers. On va pas trop s'attarder dessus. C'est toujours pareil. Si vous avez besoin de monter des niveaux, prenez les métal gigantuaires, les méga pampinators, bien entendu. Les matos d'éveil, idem, comme toujours. Si vous avez besoin, vous les prenez. Les tickets, on ramasse, on rafle les tickets 3 étoiles, on rafle les tickets, enfin 3 étoiles, on rafle les tickets rares, on rafle les tickets 4 étoiles, absolument. Je pense que c'est vraiment intéressant pour 12 000. Ça va vite quand même, comme on l'a vu au début. Les pots et les TM, les MOG TM, je pense que c'est à éviter. Comme toujours, rien de très nouveau à ce niveau-là. Comme j'ai dit, les matériels d'éveil, etc., en fonction de vos besoins. Et les Ultra Christ et Giga Christ, on a eu beaucoup, beaucoup d'enchantements ces temps. Il est possible que vous soyez en rade comme moi de certains types. Personnellement, je vais en farmer quelques-uns, notamment des Ultra, parce que bah, j'en ai plus tout simplement. Ça va être assez long, ça va être assez cher, surtout avec les pays à 120 000 à aller chercher. Un roi mug, vraiment intéressant. Franchement, ce coup-là, ils nous ont gâtés. Il y a plein de choses à aller chercher, comme d'habitude, les tickets, les pampas, etc. Mais même au niveau des armes exclusives, du très lourd. Au niveau du petit ruban, c'est très lourd, c'est très sympa. Et moi, j'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, abonnez-vous, lâchez un petit like, tout ça, tout ça. Je vous fais plein de câlins et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !